Alors, me voici arrivée chez Evolis et je viens de rencontrer Agathe. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans une story en vous disant que j'allais me faire pratiquer un massage Kobido. Agathe, vous voyez qui a le masque. Maintenant, Agathe, vous pouvez enlever puisqu'on est à plus de 2 mètres de distance. Puisque vous allez vous présenter, si vous pouvez, et nous expliquer un peu qui vous êtes, pourquoi vous avez créé ce petit endroit tout cocon, tout mignon, et parler un petit peu du Kobido. Alors, je vous laisse vous présenter, Agathe. Je suis esthéticienne et naturopathe. Je suis passionnée par le bien-être, le domaine du bien-être. Et ce qui me passionne, ce sont les techniques naturelles, douces, qui permettent aux personnes, aux femmes en particulier, de se réconcilier avec elles-mêmes, de retrouver une meilleure apparence, une meilleure plus Dans grande un, harmonie. oui, c'est ça, dans une optique tout à fait naturelle, puisque là, ce que vous faites, ce que vous pratiquez, ce sont uniquement des massages, soit avec vos mains, soit avec des petits appareils, Tout à fait, des mais des massages choses naturelles, manuels, hein, mais tout qui à peuvent fait. être pratiquées aussi après des petites interventions, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une intervention, il faut laisser un Oui, délai c'est de 3 ça. mois. Pratique depuis plus de 20 ans, D'accord. même en fait en réalité depuis 30 ans, 30, une trentaine d'années. Donc j'ai toujours été dans le domaine du bien-être, toujours avec des techniques naturelles. Voilà. Mais je me dirige de plus en plus en fait vers des techniques encore plus manuelles et tout ce qui est machine, j'ai préféré les mettre de côté, sauf une technique qui fait appel à une machine, mais sinon tout le reste, c'est des techniques naturelles. Vous m'avez dit, au départ, on devait se voir pour quelque chose qui s'appelle Cryolift. Cryolift. Alors, parlez-nous un peu du cryolift avant de passer au Kobido. Alors le cryolift, je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait appel au froid, et on sait que le froid est excellent pour la santé, pour la peau, pour les tissus. Donc ça a un bel effet, ça c'est un effet biostimulant, booster de la peau. Donc on a un très bel effet Il n'y a raffermissant. aucune contre-indication pour ce cryolift? La contre-indication, c'est de ne pas avoir fait de comblement ou de pose de fil tenseur 3 mois dans les semaines et les quelques mois avant le cryolift. D'accord, et en fait, c'est le cryolift, je crois que c'est une espèce de petit galet frais que vous passez accompagné d'une danse de vos mains, en fait, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est une tête de traitement qui est reliée à une machine. Cette tête de traitement, on le ressent quand on reçoit le soin, on le ressent comme un galet frais, froid. En tout cas, c'est très agréable. Que je passe en massage sur la peau. Et en même temps, effectivement, cette tête de traitement, ce galet froid, on va dire, est accompagné par une Moi, en mama. fait, donc on devait partir sur le cryo-lift, hein, cryo-visage. C'est ça. Et en fait, je vous ai appelé en vous disant j'aimerais changer, j'aimerais faire du Kobido parce que je trouve que le Kobido, d'abord, moi j'en ai fait quelques fois, j'adore ça. Dites-moi comment vous faites, comment vous commencez, quelles sont les parties du visage auxquelles vous allez le plus toucher ou travailler? S'il y en a, évidemment. Alors, tout dépend des besoins de la personne. Ah, c'est le sillon Nasogénien, nasogénien, oui. voilà. J'aimerais bien que. Alors, on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. On va faire une photo avant-après. Donc, vous n'utilisez que vos mains. Bien sûr. Je vous Alors, laisse. il y a, en fait, je propose 2 options. Il y a le Kobido, donc le classique. Ouais. Je pratique également un soin avec des petites ventouses à poire. Oui, que je Des montrerai toutes tout à petites, l'heure. tout à fait, et il y a l'option éventuellement de rajouter donc un travail avec ces petites ventouses, justement pour insister sur les sillons nasogéniens, sur les rides marquées. Je trouve que ça permet, c'est vraiment un plus, un outil supplémentaire pour encore améliorer les résultats dans certains cas. Oui, bien sûr. Agathe, il vous faut combien de séances pour avoir un résultat vraiment, se voir vraiment et qui perdure un petit peu dans le temps?
Généralement, il faut compter 10 séances. 10 séances, hein, c'est ça. À raison d'une séance par semaine. On est d'accord que vraiment, ce massage Cobido avec les ventouses. Associé aux ventouses. Bon, vraiment, pas remplace, je ne vais pas dire remplace, mais vraiment améliore de façon naturelle le grain de la peau. Tout à fait. Parce que ça relance. Alors, vous êtes naturopathe, donc vous connaissez bien. Tout ce qui est autour de ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naturopathie par rapport au vieillissement de... Alors déjà, les massages en naturopathie, les massages, c'est quelque chose qui est recommandé, ouais. Puisque ça permet vraiment de relancer les fonctions et donc de relancer les échanges. Et donc la peau est mieux oxygénée, mieux nourrie, donc c'est valable pour le visage ou pour le corps bien entendu. Donc le massage fait partie des techniques utilisées en naturopathie. Ma carte en naturopathie également me permet de conseiller les personnes effectivement en compléments alimentaires, d'accord, en alimentation, okay, en hygiène de vie. Donc c'est une démarche globale. Oui, c'est une démarche globale, naturelle et complètement dans l'air du temps, puisque les gens ont vraiment de plus en plus envie de se faire du bien, mais avec des choses naturelles. Naturelles, non évasives, voilà. non invasives, non douloureuses. C'est ça. Je pense qu'on a peut-être besoin également un peu de douceur. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, Agathe, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour l'instant. On fera un petit truc à la fin avec le résultat. En tout cas, je vous remercie. Merci. Et puis, on va passer au petit massage. En attendant, je vais juste faire un petit tour, vous montrer un petit peu le cabinet. Donc, voilà le petit endroit Evolis Bien-être. Donc, ce dont Agathe parlait tout à l'heure, ce sont les ventouses, les fameuses ventouses qui s'utilisent et sur le visage et sur le corps. Tout à fait. D'accord. Là, il y a une balance. Bon, mesdames, on sait qu'on n'adore pas les balances, mais il faut parfois. Donc, le bureau, c'est un tout petit cocon très mignon. Et puis, donc, vous avez quelques produits ici que vous présentez, que vous vendez peut-être aussi. Oui. Donc, avec les marques, vous voyez les marques. Hein, voilà, on connaît tous la marque Floram. Alors, ça pousse, je ne connais pas. Et en bas, c'est Astéral, que je ne connais pas non plus. Ben voilà, ça fait découvrir des nouveaux produits naturels que vous allez utiliser pendant la séance de Cobido. Tout à fait. Voilà, et puis là, le petit endroit où je vais me relaxer et où Agathe va s'occuper de moi. Voilà. Agathe va commencer par un démaquillage de ma peau, même si j'avais la peau propre en arrivant, que je n'étais pas maquillée. J'ai quand même pris le métro et un massage se déroule beaucoup mieux sur une peau propre. Nous sommes d'accord. Donc, elle procède en ce moment au démaquillage de ma peau, délicatement. C'est une petite douceur sur mon visage et ça me fait beaucoup de bien. Je commence à me détendre. Et le massage va arriver après. Mais là, c'est démaquillage détente. Tadadam! Petit rinçage avec des petites éponges pour enlever donc tout le surplus de pollution et de crème que j'avais pu mettre sur mon visage ce matin avant de partir. Toujours avec beaucoup de délicatesse et vraiment, c'est très agréable. Je n'ai pas envie que ça s'arrête et d'ailleurs, ce n'est que le début. En tout cas, Agathe, merci. Agathe a vraiment, vous l'avez entendu parler, une grande douceur. Et dans ses gestes, ils sont accompagnés également d'une douceur incroyable et on sent la bienveillance d'Agathe par rapport à ce métier qu'elle adore, m'a-t-elle dit, et elle vit pour ça, quoi, et c'est génial. Elle veut faire du bien aux femmes et je pense qu'elle réussit bien.
Voilà, petit séchage maintenant. On sèche un petit peu, toujours ne jamais laisser sa peau humide, toujours sécher avec un petit Kleenex avant de procéder au massage qui va se dérouler avec de l'huile de jojoba. Agathe utilise de l'huile de jojoba pour faire son massage. Donc Agathe va appuyer sur des points d'acupuncture qui vont détendre mon visage. Et en fait, ce sont des points d'acupuncture que les professionnels connaissent et peuvent appliquer durant la séance de massage. Thank you.
le massage va commencer sur le côté droit, puisqu'elle, Agathe, masse les deux côtés. Donc elle tourne la tête délicatement vers la droite ou la gauche, et c'est comme ça qu'elle commence à faire le massage. Alors je l'ai mis un petit peu en accéléré, ce n'est pas aussi rapide comme vous pouvez l'imaginer, mais je vais vous le remettre en plus lent pour que vous puissiez voir le travail des mains d'Agathe en gros. Vous avez maintenant le travail des mains d'Agathe en gros plan à la vitesse normale. Donc vous voyez qu'elle a une dextérité absolument incroyable sur mon visage. Donc elle va le faire de ce côté-là et après, bien sûr, elle le fera de l'autre côté. On sent que la peau chauffe au fur et à mesure qu'Agathe me masse. Je sens que ma peau chauffe, mais c'est une sensation très agréable parce que je sens que mes cellules commencent à se réactiver. Alors bon, c'est peut-être que dans la tête, mais en tout cas, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien et je vous invite à venir voir Agathe si vous êtes sur Paris ou en région parisienne, ou trouver une praticienne de Cobido. Mais attention, pas n'importe laquelle, c'est important de trouver quelqu'un qui a été bien formé, parce que si c'est mal fait, ben écoutez, d'abord les résultats ne seront pas aussi beaux et réussis, et puis après peut-être ça peut aussi abîmer la peau. Donc il faut vraiment choisir sa praticienne en étant recommandée par d'autres personnes. Je vous laisse en musique.
Entre-temps, Agathe a massé l'autre côté de mon visage, c'est-à-dire le côté gauche. Et maintenant, nous revenons sur une position avec la tête droite, normale, et le massage continue, toujours avec délicatesse. Alors parfois, j'ai augmenté la vitesse pour que ça ne vous paraisse pas trop long, mais voilà, là vous l'avez à la vitesse naturelle, mais parfois la dextérité des doigts d'Agathe est assez incroyable. Donc voilà, elle lisse ma peau toujours avec des mains très douces et avec toujours autant de bienveillance. Vous voyez les petits, ça c'est très bien de faire ça aussi chez soi, soi-même, ces petits pincements là sur le sur l'ovale de notre visage, sur les joues, vous voyez la peau qui bouge. Voilà, on arrive à la fin du massage Kobido avec Agathe. Donc, il y a des fois où ça a accéléré, comme je vous ai dit, d'autres fois où c'était à la vitesse normale. Donc, vous voyez que les doigts d'Agathe sont très souples. Et je pense que c'est quand même un massage fatigant pour aussi la praticienne. Donc voilà, c'est la fin du massage avec beaucoup de douceur. Je vais vous montrer maintenant le avant-après et c'est assez incroyable. Vraiment, merci Agathe pour ce moment de bienveillance, de douceur et de bienfait pour ma peau.